Alors, t'es content? Ton petit coréen est enfin arrivé? Oh, il a un bracelet. Il en a plus besoin maintenant. Alors les enfants, comment vous le trouvez votre nouveau petit frère? Il est chouette. Je m'appelle Jung. Je suis né quelque part en Corée. J'ai quitté ce pays lorsque j'avais 5 ans. Parce qu'un jour, au banc à papier, quelqu'un a écrit « Recommandé pour l'adoption ». Et voilà, t'es chez toi. Moi, c'est en Belgique que j'ai atterri. Ma nouvelle maman, je ne peux pas dire qu'elle était patiente. Et voilà. Je l'aimais comme elle était. C'est quelque chose d'avoir 4 enfants. 5 enfants. Oh, je suis désolée. J'oublie toujours ton petit asiatique. Il y a évidemment un avantage à ne pas connaître ses parents naturels. On peut les imaginer comme on veut. Dis-moi, Coralie, pour toi, est-ce que je suis vraiment ton frère? Pour eux, j'étais un des leurs. Tu me le passes? Pour moi, ce n'était pas toujours aussi simple. Tu n'es qu'un voleur et un menteur. Et une pomme pourrie dans un seau de pommes mûres, ça pourrit toutes les autres. Là, c'est quand même beaucoup plus grave. Mais je ne comprends pas. Enfin, tu écoutes ce que madame la directrice nous dit? Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'on est des étrangers, c'est ça? Est-ce que je suis un gentil ou un méchant? Très méchant avec un sale caractère. Comment vrai, quoi? Sinon, j'aurais pas été abandonnée. Oui, mais si on t'a adopté, c'est que tu n'étais pas si mauvais. Yeah! Qu'est-ce que tu fais à moitié nu dans ma chambre? Bah allez, va faire ton John Travolta ailleurs. Allez, oust!